L'herbe est toujours plus verte dans le pré d'à côté. Gardons-nous de toujours le voisin envié. Contentons-nous du présent, profitons de chacun. Le boulot, c'est important, mais la famille et les amis le sont tout autant. Réagissons tant qu'il est temps. On trouva fort dépourvu quand l'hiver fut venu. Pas un seul grain ni rendement pour nourrir le paysan. Il alla prier famine chez la banque sa voisine. Famine ! La priant de lui prêter quelque argent pour subsister jusqu'à la moisson nouvelle. Je vous paierai, mademoiselle, avant l'août, foin animal, intérêt principal. La banque n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud ? Dit-elle à ce paysan. Je trimais. Vous trimiez ? J'en suis fort aise. Eh bien, dormez maintenant. Le laboureur et ses enfants. Partager sans prendre trop de peine. C'est le temps qui manque le plus. Une paysanne du GVAF, sentant la journée découverte prochaine, fit venir ses amis, leur parla sans détour. Gardons-nous, dirent-elles, de nous enfermer dans le travail comme le faisaient nos parents. Un trésor est caché ailleurs, je ne sais pas l'endroit, mais un peu d'imagination vous le fera trouver, vous en parlerez partout. Remuez vos ménages dès que vous le pourrez, sortez, parlez, chantez, ne laissez nulle place à la morosité. Les réunions finies, les textes peaufinés, il ne reste plus qu'à jouer et rappeler la règle d'or. Que le partage est un